Mesdames, messieurs, il faut se rendre à l'évidence. La terre est bleue comme une orange, comme le disait le poète Paul Éluard. Mais pourquoi ? 75% de la surface de notre planète est bleue, vue du ciel. Mais pourquoi ? 75% de la surface de notre planète est de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. La moins bonne nouvelle, c'est que cette ressource est gravement menacée par nos activités humaines à toutes les échelles. Individus, résidences, quartiers, villes, régions, pays, continents, le monde entier. La quasi-totalité de cette ressource est polluée. Je m'appelle Pascal Brault, je suis physicien théoricien de formation et maintenant chercheur au CNRS à l'Université d'Orléans depuis 1988. Je suis passionné par la recherche parce que d'abord c'est une aventure humaine et aussi parce que c'était un rêve de gosse. Alors, comment on en arrive à se poser toutes ces questions ? Alors, ado, j'adorais et j'étais passionné par l'abstraction des mathématiques. Par exemple, pourquoi par un point extérieur à une droite, il passe une unique parallèle ? Ça a ému tout le monde quand on était en cinquième. Et puis après, un peu plus tard, la physique théorique qui combine les mathématiques et la physique. Et puis se demander, est-ce que je peux compléter la loi de la gravitation de Newton pour tenir compte de la masse moins compte de l'univers. Alors l'univers, c'est réel, c'est vrai, mais ça reste encore un petit peu abstrait à mes yeux. Et comment je peux matérialiser tout ça ? Alors, je rentre au CNRS pour faire des expériences sur la miniaturisation de circuits intégrés. Vous savez, ces petits trucs qu'il y a dans nos téléphones qui font qu'ils sont bien plus performants maintenant que l'étaient des supercalculateurs des années 80. Alors, j'ai enrichi cette passion pour l'abstraction en embrassant le réel. Donc mon goût de chercher s'est alors tourné vers deux autres défis de société, l'énergie et l'environnement. Et donc, après ces circuits intégrés, j'ai consacré mes travaux et puis beaucoup de temps à l'énergie hydrogène, simplement pour produire l'électricité propre, pour alimenter d'abord des véhicules, et puis maintenant pour des bâtiments et des quartiers. Alors, pourquoi l'énergie hydrogène, me direz-vous ? Ben, simplement parce que si on convertit l'hydrogène, on ne trouve que de l'électricité, de l'eau et de la chaleur, et pas de gaz à effet de serre. Et là, vous me voyez venir. Oui, il est motivé par ces questions d'énergie, parce que derrière, il y a l'environnement. Et oui, effectivement, et puis c'est à cause de ça aussi, de ces questions sur l'environnement, que j'ai orienté maintenant mes recherches vers un autre problème fondamental de l'environnement, mais et aussi de santé publique, la pollution. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que une partie de cette pollution est composée de molécules organiques qui, même en très faible quantité, comme c'est le cas, ont pour effet de perturber gravement le fonctionnement des êtres vivants, qu'ils soient animaux, humains ou végétaux. Alors, que peut-on faire ? Et aussi, ils sont importants dans l'industrie où il y a beaucoup trop de produits chimiques et aussi dans l'agriculture intensive qui ont ces conséquences. Alors, il y a un cas intéressant à regarder, c'est celui des hormones sexuelles humaines. Elles sont consommées à la maison, évacuées dans les toilettes, transportées dans les égouts, puis arrivent à la station d'épuration.
mais là, elles sont insuffisamment filtrées, presque pas éliminées. Alors, elles vont rejoindre les rivières, ou alors s'infiltrent dans le sol, arrivent dans les nappes phréatiques et remplissent notre verre d'eau, du robinet ou de la bouteille. Et c'est pas tout. On en trouve aussi là, une grande partie de ces molécules sont aussi dangereuses pour notre cerveau et nos fonctions reproductrices. Alors pourquoi la recherche? Bah d'abord parce que je suis chercheur. Et puis que la recherche, en dehors et ou en plus de comprendre l'univers et sa banlieue, la société, la nature, ça sert aussi à résoudre nos petits et grands problèmes de tous les jours. Et en particulier, que font les chercheuses et les chercheurs? Alors ils cherchent des solutions, des idées, des concepts pour demain. Mais voilà, ça prend du temps. Beaucoup trop de temps, aux yeux de certains d'ailleurs. Et puis, il faut bien le dire, les financeurs potentiels de ces recherches, de leurs recherches, ne sont pas toujours enclins à les soutenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Eh bien, on s'intéresse, pour ces perturbateurs endocriniens en particulier, ces molécules qu'on appelle polluants organiques persistants ou encore micropolluants ou polluants émergents. Et parmi eux, il y a une famille qui me préoccupe particulièrement dans mes travaux. Ce sont ces perturbateurs endocriniens. Alors pourquoi eux? Ce sont les plus dangereux. Ils sont responsables d'une partie de nos soucis sur le cerveau, comme je disais tout à l'heure. Et puis, un certain nombre de travaux sont lancés pour essayer de détruire. Et par exemple, avec mes collègues au laboratoire, qui s'intéressent à comment les détruire avec des molécules actives. Et là, c'est difficile pour eux. Pourquoi? Parce que ces molécules, pour les étudier, on a besoin de matériel, d'équipement extrêmement coûteux, difficile à trouver. Et là encore, comme je l'évoquais tout à l'heure, eh bien, c'est pas toujours facile de les acquérir et de trouver les financements pour. Alors c'est en faisant ce constat entre préparer demain, c'est-à-dire ce que font les chercheurs en général, et gérer aujourd'hui. Alors tout n'est pas noir. On fait déjà un certain nombre de choses. Par exemple, on étudie des techniques de filtration avec la recherche et l'innovation pour pouvoir filtrer et empêcher ces perturbateurs endocriniens d'aller dans les sols. On étudie aussi des cultures de bactéries, des chéfages qui vont ingérer puis digérer ces polluants. Donc, comme je le disais, c'est pas noir, mais on a un problème avec ces techniques, c'est que fait-on quand elles arrivent à saturation et qu'elles deviennent inefficaces? Alors, il faut prendre tous ces déchets, les stocker, et puis ils retournent dans le sol, rejoignent les nappes, et puis ainsi de suite, et on recrée ce cycle funeste. Alors, c'est difficile de faire ces expériences, c'est difficile de les mettre en œuvre. Une autre solution existe. Rentrer l'eau, les polluants, les molécules actives, dans un ordinateur.
et dans les mêmes conditions que dans la réalité. Et comme cet ordinateur effectue des millions, un million de milliards d'opérations par seconde, et que des chercheurs par le monde travaillent sur les forces qui s'exercent entre ces molécules, sur leurs réactions entre elles, je peux maintenant calculer, simuler l'eau polluée d'une rivière et son traitement. Ces simulations consistent à calculer les trajectoires de toutes ces molécules, toutes leurs interactions dans ma cocotte informatique. Et alors, je peux voir se dérouler ces réactions chimiques comme si j'y étais, comme si j'étais un microscope, certes virtuel, mais un microscope quand même. Et comme je peux faire cela dans n'importe quelle condition, eh bien, je lance ces simulations, énormément de ces simulations en parallèle, avec pour chacune un jeu de conditions précises qui représente une situation réelle bien définie pour chacune. Et alors, en analysant le film de vie et de mort de ces perturbateurs endocriniens, je peux trouver là ou les conditions qui vont donner des produits de décomposition de ces perturbateurs endocriniens totalement inoffensifs. Et alors, je peux, après ça, concevoir, envisager les procédés qui vont pouvoir donner de l'eau vraiment propre. Donc voilà, en quelques mots, comment une interrogation de citoyen peut se transformer en problème de recherche et se muer peu à peu en idée, ici le microscope virtuel, et aussi devenir un élément de solution ou des éléments de solution d'un problème aussi crucial. Alors, vous imaginez quel peut être mon enthousiasme, ma joie à mettre du cœur à cet ouvrage. Je peux vous dire que c'est un vrai ravissement de travailler comme ça. Et ce ravissement-là, c'est l'équation de la Terre bleue. Eau plus molécules plus cerveau plus ordinateur plus collectif humain, vous savez ce qu'on appelle la Dream Team, plus l'argent plus le cœur à l'ouvrage égale sauver la planète. Merci. Merci.